Le gouvernement ivoirien ambitionne d'améliorer le climat des affaires du pays. C'est dans ce cadre que s'est tenue la troisième édition du Forum Académie de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGSCI Académie, un cadre d'échange pour motiver les jeunes entrepreneurs. L'État de Côte d'Ivoire, depuis son indépendance, s'est engagé sur la voie du libéralisme économique. L'État de Côte d'Ivoire continuera à renforcer les actions visant à l'amélioration du cadre des affaires afin de dynamiser encore davantage l'activité économique. La Côte d'Ivoire est un pays entrepreneurial, mais ce qui manque aux Ivoiriens, c'est la volonté de sauter. Et cette volonté-là doit être motivée par ce genre de forum. Pour les jeunes étudiants, ce n'est pas l'ambition qui manque. Ils se voient déjà en grands entrepreneurs. J'aimerais monter ma propre entreprise après mon BTS. Parce que j'aime la mode. J'aimerais faire une entreprise de mode, vêtements pour femmes. Cependant, ils risquent d'être confrontés aux difficultés d'accès au crédit. Les institutions financières censées accompagner les entrepreneurs imposent des conditions draconiennes. On dit qu'il faut entreprendre, mais le financement ne suit pas, l'aide ne suit pas forcément. La plupart des banques veulent d'abord que vous fassiez vos preuves avant de vous accompagner. Alors que pour faire les preuves, il faut un moyen. Le grand prix du concours CGECI Académie 2014 a été décerné à une entrepreneuse ivoirienne. Âgée de 38 ans, Yao Patricia est l'initiatrice d'un business plan portant sur le transfert d'argent dans les zones rurales jusque dans certains pays de l'UEMOA, ce qui fait la satisfaction du patronat. Chaque grand saut effectué par un Ivoirien dans l'entrepreneuriat doit entraîner derrière lui le plongeon de 10, 100, des dizaines de milliers d'autres Ivoiriens dans l'entrepreneuriat. L'objectif spécifique de l'édition 2014 de la CGECI Academy est de permettre aux opérateurs économiques locaux de pouvoir saisir les opportunités d'affaires dans le cadre du programme d'émergence de la Côte d'Ivoire.